Samedi dernier, j'ai participé au Fallen Kingdoms France versus Italie. Vous avez été très nombreux à me demander une vidéo de cet événement. Alors voilà pour vous. Petite info d'ailleurs, il y aura très bientôt un autre event comme ça. Fallen Kingdoms France contre Allemagne. Et ça risque d'être sportif de fou. Alors si vous voulez pas rater l'événement, pensez à vous abonner à la chaîne. C'est gratuit, ça soutient. Et suivez également ma chaîne Twitch. C'est là-bas que se déroulent tous les événements. Sur ce, bonne vidéo. On est là. On est sur le serveur, on va attendre un petit peu. Alors, je connais pas du tout la map. Game.actionbarcenter. Oh là là. What the fuck. Juste pour vous expliquer les règles précises du jeu si jamais vous connaissez pas. Le principe, il est très simple. En gros, on est deux équipes. Donc l'équipe bleue, l'équipe verte. Nous on sera en bleu parce que voilà, c'est la France, c'est normal. Il y aura une base bleue et il y aura une base verte. Ce sont les seuls endroits où on peut poser des blocs. C'est-à-dire que là, imaginons par exemple la game commence, je veux poser un bloc ici, je ne peux pas puisque je suis en dehors de ma base. Et donc l'objectif, ça va être d'attaquer la base adverse. La première équipe à détruire la base adverse à trouver la salle des coffres remporte la partie. Vous allez me dire c'est super simple, t'as juste arrivé, tu casses les blocs adverses, etc. Eh ben non, c'est pas possible. Tu peux pas casser les blocs des adversaires comme ça. Ça fonctionne pas comme ça. On peut pas casser la base. Faudra qu'on utilise d'autres stratégies, peut-être passer par leur cave, etc. Enfin en gros voilà, ça va demander un petit peu de stratégie. Pour pouvoir assaut, il faut une muraille de 5 blocs de haut, une salle des coffres maximum 20 blocs en dessous du niveau de la base. Pour assaut une base, il est interdit d'utiliser des underpearls. Donc en gros, c'est très simple. Il faut juste poser des TNT sur la muraille et passer comme ça. Salut Magic Noop. Salut, c'est incroyable, j'ai une team. Mais tu as la team en fait. Pas une team, c'est la team. Guys, good luck to all. Oh my god. Thank you, but we don't understand anything. No, it means let's go Italy, let's go. Ok. Forza Napoli, Gilla. La prochaine fois, il faut que tu lui dises testa di cazzo. Comment tu dis? Testa di cazzo. Non, tais-toi. Pourquoi ça veut dire quoi? Je me mute, je reviens. Ouais, qu'est-ce que dire un peu tête de chibre, quoi, en gros. Ah, ok. Comment tu connais ça, toi? Ma mère est italienne, quoi. Oh, I'm sorry. Du coup, vous vous dites tête de chibre dans votre famille. C'est comme ça, du coup. Ça y est, c'est parti! Ah oui, attends, Miro, t'as jamais fait de FK, toi? Ça va très vite fait, hein. C'est bon, ça va le faire. Ah, mais c'est vrai qu'on peut pas poser de table de craft, ça fait 6 mois, j'ai pas joué de FK, je sais plus comment on joue. Ah, bah ouais, hein, c'est. Comment on joue, monsieur Stéphano? Il faut que tu m'expliques tout, là. J'ai oublié. Oh là! Bah, t'es pas le dernier gagnant de FK10 pourtant? Je comprends plus. C'est vrai que maintenant que tu le dis, effectivement. Tu te rends compte que c'était il y a 2 ans qu'on a tourné ce truc déjà? Ce truc. Ouais, ce tournage de l'enfer. J'étais peut-être un peu craché dessus en disant ça. C'est qu'on est venu me voir. Il y a quelqu'un qui est venu me voir, il me dit: eh, trop bonne idée, cité Harry Potter. Je réponds 3 jours après, j'ai fait bonsoir, non. Il me répond: ah, trop tard, c'est déjà lancé. Je fais: t'es de ma gueule. Ah ouais? Donc tu vas avoir une cité Harry Potter. Mais non, c'est vrai? Bah voilà, comme ça, les gens qui me demandent tout le temps, c'est quand la prochaine cité? Bah voilà. Moi, je prends masque à la sucre, hein. J'arrive, je me balade un peu. Putain, c'est vrai, tiens. Alors, c'est dans les règles qu'on leur a envoyé tout à l'heure. Protection 2 diams, protection 3 fer. Alors, je voulais revenir à la base et en fait, j'ai eu de la surprise de tomber sur eux. Il va mourir. Surtout, tu vas mourir. Non, mais les Italiens sont gentils. Vous savez que la cité d'il y a 2 ans, ça a été une vraie étude sociologique. De voir vraiment les différents pays. Genre, nous, râleurs, machin, c'est vrai. Non. Nous, c'est. Attends, je vais corriger. Nous, c'est fervent de la justice et défenseur. Non, mais d'accord, si tu veux, mais. De... Tu sais que vraiment, les seuls qui, du début à la fin, ont été tout mignons, tout gentils, c'était les Italiens. J'ai cru que t'allais dire les Allemands, j'ai eu peur. Eux, c'est pas pareil. Eux, c'est pas qu'ils râlent, mais ils sont très rageux, très vite. Pire que nous? Ah, différent. Ouais, c'est-à-dire, t'as Hyper, il va faire une vanne en mode c'est bien organisé. L'Allemand, il va dire c'est la grosse merde. Toi, tu préfères quoi de ton côté? L'un ou l'autre? Choisis. Aucun des deux. Ouais, aucun des deux. Non, ouais, c'était quand même bien géré. Moi, j'en ai fait une cette année, là, et. Qu'est-ce qui m'a passé d'ailleurs? Allez, du coup, on va faire la base, je crois, du coup. Aïe, hein. C'est notre base, ça, ou c'est les Italiens? Je récupère l'opsy, hein, je fais la table d'enchante, du coup. On a pas de fer, on a rien, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire, hein? Tiens, regarde, viens. Yeah. On prend notre temps, hein. On n'est pas pressé de toute façon. On est tous habitués à ce que FK, ça dure de toute façon à peu près 5 ans et demi. Donc je pense qu'il y a quand même le temps, je pense. Hein, on va pas non plus trop se prendre la tête. Ça, vous entendez, c'est l'eau qui joue à Valo, ça. Ça, c'est les ravages de Valorant. T'as fait l'enchant ou quoi? Non, pas encore, on parlait justement. Attends, fais voir le PVP. Tu foutais rien en fait. J'ai 13 niveaux, attends, je me m'enchante. Ah, le PVP. Oh, bah, vas-y. C'est chiant. 24 minutes 37, il faut que je m'amuse un peu là, ça y est. Non, monsieur, j'ai 12 niveaux. Ah, il faut qu'on fasse le lit, c'est vrai. Mais tu sais quoi, je viens de penser à la même chose que toi, voilà. Et comme quoi, finalement, t'as vu, faire les enfants, ça marche bien. Tiens, regarde là, par exemple, tu vois, je fais ça. 7 ton spawn, voilà, c'est bon. Non, ça me l'a pas 7 du tout, on est pas en point 19. Non, ça t'a pas 7 du tout. On est pas du tout en point 19, mec. Oh, y'a un squelette qui m'a cabé vers lui. Oh non. Monsieur Fano. Ah, j'ai un mec sur moi. J'ai un mec sur moi. T'es où? Miko, je suis en moins 19, 180 derrière moi. Il me suit, t'es sûr? On y va. Vas-y. Ouais, ah oui, il joue canne à pêche et tout par contre. Canne à pêche et tout, ouais. Ah, le mec, il est trop bon. Il joue canne à pêche, saut de lave et tout. Quoi? Ok, je me full day. Je viens de leur dire au staff, on est mort, il joue trop bien, il vous embraye. Alors écoutez, on va faire très simple. Miro, tu sors, on fait entrer Gep. Faut qu'on ajuste là, les mecs, faut qu'on ajuste. Bah voilà, tu vois. Les gars, on va quand même win. Vous êtes où? Bien sûr qu'on va win. Je crois que j'ai trouvé l'entrée de leur base. T'es où, Magic? Ah ouais, je suis en train de piquer leur fer et tout en bas là. Moi, je suis en cave, mais je sais pas. Y'a un mec là où? Y'a un mec là où, Magic? Ouais, il est full day, Ça fait plaisir, une petite soirée comme ça. Ouais, c'est clair. Moi, je vous ramène du fer en plus parce qu'en vrai, je me dis que ça va peut-être servir. J'ai du protection. J'essaie de faire gaffe quand même autour parce qu'en vrai, si vous dites qu'ils jouent saut de lave et tout avec canne à pêche, ça va être.
ils jouent Rod les Italiens, what the fuck. Vous les avez dit combien de temps à l'avance qu'il y avait cet event? Ah eux, ils sont prêts depuis début août hein. Oh ok, ça fait deux mois qu'ils sont là. Ils se sont un peu entraînés quoi. Ouais voilà, ça fait deux mois ils s'entraînent quoi. Ok d'accord. Bon c'est bien, ça va faire un beau match en tout cas du coup, ça veut dire. Par contre tu peux faire un skydev, genre on joue en se met en défense et on fait 5 teams en face et c'est une team de chaque pays. En vrai juste, tu te souviens comment t'as fait le format FK10? Bah tu fais ça un format FK10 mais avec chaque pays. Et tu fais ça sur un week-end à la limite. Moi je suis full play de diams. Je mets pas full diams. En fait le truc c'est que j'ai l'impression qu'on a déjà bien fouillé les gros. Moi j'ai un stack de diams là que je ramène en plus. Moi je suis à un endroit, il y a personne qui est venu. De toute façon il y a le temps là. Le Nether c'est quand? C'est dans. Je pense c'est soit début jour 3, soit début jour 4. Oh merde, c'est début jour 3, c'est la sauce. Quoi encore, il y a pas les potions de force donc c'est ok. Ouais, les potions speed quand même. Non mais on va faire des potions de poison, j'ai ramené des. Nether jour 4 on me dit. Ah, jour 4 okay. C'est bon. De toute façon partie du principe, je prends du diamant et comme ça je le mettrai dans le coffre. C'est ce que je vais faire aussi. Il faudra qu'on se fasse un lit en hauteur avec les dispensers et tout le tralala. Les dispensers aussi. Non, y a pas les dispensers. Je vois que si je meurs, je leur donne un stack et demi de diams là. Ah peut-être remonte hein, je fais un aller-retour. Ouais. Joue pas avec le feu, t'es quand même le meilleur mais bon. Arrête-toi. C'est toi qui as fait un kill, moi je suis à zéro là pour l'instant. C'est vrai, j'ai fait plus un sauvetage qu'un kill surtout. Ok, une TNT en plus. Ouais, moi aussi j'en ai chopé une en plus. Là c'est miné à l'endroit où je suis. C'est quoi les codes de la base déjà? C'était moins, c'est moins ça? Moins 150. Bah j'arrive alors. On a déjà 12 ou 13 TNT, hein, c'est pas mal. J'en ai une sur moi et j'ai de la gunpowder aussi. Par contre, il y a quelques petits lags sur le PVP, donc j'espère que ça va. Ah, on est d'accord. Oui, le PVP a quelques petites frames de retard, mais c'est pas grave. Je sais pas, des fois ma souris elle décale d'un coup, mais je me suis dit c'est le jeu ou c'est moi? Non, ça c'est toi ça. Ça c'est toi ça. Il y a du diams de partout. Mais ouais, mais le problème c'est que j'ai plus de pioche. Du coup, je peux rien faire. Alors, on va avoir un énorme problème, c'est que j'ai plus de bois, plus de pioche, donc si quelqu'un se trouve pas très loin de la base, je veux bien que. T'es en quel coup là? Je suis en moins 150. Il y a du diamant de partout d'ailleurs, on sait jamais. Vraiment, il y en a de partout. Comment je peux monter? Ah, par là, attends. Par là, je peux peut-être monter. Attends, je garantis rien, mais on va essayer un truc. Attends. C'est ok. Le pseudo, je parle. C'est bon. C'est bon, je te vois en face. C'est une petite pioche ou un truc comme ça ou pas? J'ai clamé, mais au pire. Si je te suis, au pire, tranquille, c'est pas grave. Tranquille, on rentre à la base. T'as une petite cape Optifine, Miro? Bien sûr. Ah, puis en ce moment, je joue tellement plus avec Optifine. Donc que là, avec mes survies, je suis sur Iris et Sodium en fait. Du coup, j'ai un switch à shader instant avec un bouton. Il est trop c'est très pratique. On a rien compris en fait, en gros, voilà. Je te traduis parce que s'il faut, il ose pas te le dire. Hey guys. Tu fous le stuff, je fais quoi maintenant? Tu fais rien, tu fais du stuff pour nous. C'est leur base là? Non, attends, hey guys, non. Les gars, je suis devant leur base, elle est en dirt. Ah, elle est en dirt leur base? Ah non, elle est pas que en dirt, mais. Mais c'est un bait, c'est un bait. On s'est full bait depuis le début. Je pense que c'est un bait. Il y a moyen que ce soit un bait. Si je peux avoir sharpness 2 direct, par contre, ça je vais pas. Mais mec, c'est ce que je vais faire, je cherche Fire Respect, je pense. Est-ce que j'ai pas Fire Respect direct là? Oh, sharpness 2, mais est-ce que je prends? Est-ce qu'il y a Fire? Non, je vais attendre d'avoir Fire 2. Oh non, on a pas de bois. Ouais, on a plus de bois, ouais. Ah bah voilà, bon je knock back avec mais j'en ai rien à foutre. T'as fire? Ouais, j'ai gaspillé 25 niveaux hein, pour l'avoir. Au pire vous faites pas trop chier pour les niveaux, on va se les prendre dans le nether après hein. Ouais, ce qu'on va faire, la knock back avec le lag du PVP c'est peut-être pas si mal hein en fait hein. Tranquille, je reprends mes 20 niveaux et j'arrive tout de suite. Ouais, y'a un italien. Oh, y'a un italien chez nous. Ils sont tous là hein. Ils attaquent. Ils ont des rods. Attends, mais attendez, je reviens, je fais mon stage. Il m'attaque avec des œufs et avec une canne à pêche. Ah vraiment? Il m'a volé mon casque. Ah non, rien à voir. Je connais plus Minecraft, c'est juste que je l'avais pas mis. Venez, on descend là. Il y a Sono Mistaldo, mais c'est leur Domingo à eux, ouais. Comment ça va? On a l'impression que c'est un enfant de 11 ans qui écrit. Incroyable. En fait, tous les enfants de 11 ans pour moi sur les serveurs, c'est des italiens en fait. Puis tout ça c'est plus moins que des italiens. Non, du coup, la prochaine fois qu'il y aura un enfant de 11 ans qui va débarquer, j'ai comment tu dis Bonifacio, un truc comme ça, je peux pas dire. C'est pareil. Presque pareil. À deux doigts, à deux mots près, c'était pareil. Qu'est-ce qu'il fait là en plus là? Il veut se battre? Attends, je vais descendre, moi je vais lui comprendre. Bah attends, j'arrive. Hein. Ça va être là d'aller au Nether là. Faut se préparer. C'est vrai. Mais Miro là, mais obligé de faire la salle des coffres avant de venir. Parce que c'est lui qui est chargé de ça, on rappelle. Attends, j'ai loupé un truc là. Mais je crois que t'as oublié pourquoi tu m'as invité. Moi je sais faire qu'un seul truc dans Minecraft. Hein. Ah, tu tapes, vois devant, tu tapes, mec. Moi je sais juste faire clic gauche. Hein. Miro il nous fait une belle maison autour de la. Mais non, mais Miro il est chaud, il fait de la redstone. C'est bon, Miro on le charge, voilà, il fait parfait. La base. Tu dois faire une salle des coffres qui est cachée avec un système de redstone digne de primaire. Ah ok, tu représentes ton serveur. Tu dois faire avec un trieur et tout. Ah mais le lag sur le PVP, je te tape, genre tu KB vraiment en quelques secondes. Ouais. Après, ah ouais, un peu. T'as vraiment terrible, y'a rien qui marche ce soir. En vrai si, on est tous là, ça marche déjà. On a pas trop starté en retard. Mais non mais en vrai ça fonctionne hein. Puis en vrai de vrai, bon, c'est on est ça. Toujours un peu pointilleux, on râle, etc. Je veux dire, est-ce que ça gêne l'expérience de jeu? Absolument pas. Là on est bien, je veux dire. Ah, mais tu gagnes en maturité. Ah, avec le temps, j'arrive à 30 ans bientôt. Hein. Ah non, ça c'est toi ça. Ouais, ouais, ça y est, là c'est fait. Hein. T'as quel âge Miro? J'ai 26, bientôt 27. Ah donc on a vraiment un gamin avec nous. Ah si, ça y est, c'est bon, ça y est. Un gamin. Encore tu dis ça, tu sais que 23. Putain, là j'avoue, t'as passé un cap là, mec. Le premier FK, j'en avais 21. Et c'était des éléments, t'en avais 19. Oh, c'était des éléments, j'avais les cheveux courts, déjà c'était une autre histoire. Ouais, déjà. Tu te souviens de la tête que j'avais? T'avais pas de lumière en face de toi, donc t'étais dans le noir dans tes vidéos. Et j'avais des lunettes toutes carrées qui étaient extrêmement moches. Puis un jour, ma chère compagne m'a dit, mais en fait, tes lunettes elles sont dégueulasses. Arrête, change ton visage. Elle m'a dit, je fais ok. T'as un petit stack de bois là, vite fait. Mais je vous te jure, je sais pas où c'est la sortie de la base. Mais creuse. En vrai, excellente idée. Je suis un italien qui est en train de taper du bois à côté de la base. Bah attends, je vais sortir sur lui, il va être bien content. Y'a un italien à côté de la base. Oh. Ah oui, attends, je me suis... Ah oui, l'italien s'appelle Gil. Il est en train de cramer. Oh, wow. Du coup, c'est quand qu'on met les coffres en haut?
On va jouer 30 secondes, il va y avoir le Nether du coup. Ah bah on joue quand vous voulez. Nether is now activated. Alors portail. Ah il faut un briquet, ouais. Ah viens en camp là, viens. On attend là. Oh il y a un italien. Là. On peut go. Ah ouais, juste là-bas. Ether, je sais pas si tu m'entends, mais en fait normalement c'est s'allumer de base en fait. Ok bon, go le laisser. Ah ils sont plusieurs, ils sont là. Ok, ils sont où? Ah oui, ils te tapent. Là, je me fight. Vous êtes au centre? Ouais, on est au centre. En fait, je pense qu'ils veulent faire les potions, je pense aussi. Ouais, je pense. Je vais les contourner, je les contourne, je suis vers leur base là. S'ils sont vers toi, je les contourne. Il est sur le chemin. Ouais, mais je les contourne. Il revient où? Dans la base? Il y a l'entrée du spawn de leur côté. À l'entrée du spawn de leur côté. Ok, il y en a un devant moi. On le fait patienter, le suis pas trop. Je le vois, il est là. Je suis derrière les deux là. Vas-y, go. Non, enfer. Oula, Gail, ça va? Oh, ils sont tous sur toi. T'inquiète, y'a pas de soucis. C'est bon, j'ai servi d'appart. J'en ai en fer là. Ils rentrent à leur base. Là, il me bloque avec sa. Ils veulent rentrer. Ah, c'est bien pensé, c'est bien joué. Ouais, ils jouent bien. Je voulais les faire paniquer, au moins on a vu un peu comment ils jouaient. Ils jouent très très bien. On go Nether, je pense que c'est le plus important. Ouais. Ils reviennent un petit peu. Ils reviennent, mais justement, je pense qu'ils veulent nous drain. Hein. T'as pris de la bouffe ou pas? Ah non, j'ai pas eu le temps. Il y en avait direct. Vas-y. Faudrait qu'on reste tous collés comme ça, au moins on est sûr. Regardez, je vais à gauche, on va essayer d'aller en trouver là. Parce que si on se sépare et qu'ils vous tuent pendant ce temps là, ou c'est quoi, ce serait dommage. Je sais pas pourquoi il y en a un qui était en fer. Je sais pas, c'est peut-être un bait. Peut-être ça, on a peut-être pris tous leurs diamants. Parce qu'en vrai, moi j'allais prendre. Hein, donc c'est possible qu'on l'aurait tout pris. Allez, je vous prends tout. Comment vous voulez faire la salle des coffres? Vous voulez qu'on fasse un truc avec les... Je sais pas, au plus simple. Enfin, pas forcément plus simple, mais efficace. En vrai, on va faire un truc simple. Moi, je pense avec le minecart, c'est très bien. Après, ils connaissent pas, eux. C'est pour ça, c'est vu qu'ils connaissent pas, autant utiliser la technique simple du minecart. Pour ceux qui savent pas, c'est quoi cette technique? Quand vous mettez dans cette version-là un minecart sur un rail qui est en diagonale, et du coup, qu'il est penché, vous pouvez passer en fait à travers des blocs en cliquant sur ce minecart. Mais du coup, il faut cliquer au bon endroit, faisant un clic droit dans le mur, etc. Enfin, c'est vraiment pas évident. Et si tu connais pas la technique, c'est compliqué. Faut juste faire un truc simple parce que eux ils vont faire un truc simple aussi. Bah, même ils vont rien faire du tout, même je pense. En vrai, s'ils font rien, la game elle va être pliée en 2 secondes. Oh, les vieux Nether! Ah, ça y est, lui! Ah, j'ai mal! Miro, tu préfères les nouvelles caves de maintenant en 1.19 ou les anciennes? Ah, mais j'adore les nouvelles, moi j'adore. Il a des problèmes de goût surtout, je pense. Quelle bonne idée d'avoir fait équipe bleue, équipe vert vraiment de loin. Après, ça faut le dire au pays, ça. Quand on va être contre les Allemands et qu'on va se fight contre les Rouges, là tu vas pas faire le malin. Je tirerai les oreilles au staff. Je vais déjà leur tirer les oreilles. Oh, en vrai, ça va. Pauvre petit staff. Tu sais que j'ai beaucoup aller sur des events dans le passé. Là, depuis quelques temps, quand je participe à tes events, je passe toujours une bonne soirée. Donc pourquoi avant tu passais une bonne soirée? Non, mais c'est pas ça que je veux dire. Mais avant, je râlais plus que je disais que je passais une bonne soirée. Et en fait, je me suis rendu compte que je le disais pas assez. En fait, on avait l'impression que je me plaignais tout le temps, alors qu'en fait, bah en réalité, j'en tiens que ça. C'est là, je suis assagi. C'est vrai qu'avec le temps, je me rends compte que juste en fait, je râle un peu. Enfin, je râle de moins en moins. Là, j'ai plus. Mais c'est à force, tu vois. Vous savez, on a été un peu con. Je sais pas si vous avez du bois, vous. Oui, j'ai du bois. Pourquoi? J'en ai sur moi, ouais. Faites des bateaux. Bah bien sûr, Miro, pour descendre, c'est plus simple. Ouais, pour les dégâts de chute. Je te ferai faire un petit test après, on verra. On va te faire un petit jeu. Déjà allé, hein. Eh ben on y va. Ils sont dedans, ils sont forcément dedans, Ok, on voit les blocs effectivement, ouais. Par contre, ils sont déjà partis. Non, ouais, c'est pas possible. Ils sont déjà partis. Déjà? What the fuck? Il y a des rochers, hein. Je pense qu'il y a un seul mec qui est venu. Ah mais il y a Mass Blaze Run là. En fait, tu veux que je te dise un truc? Je crois qu'il y a pas de Nether Wart dans la forteresse. Ouais, j'ai l'impression, hein. Il y a pas de Nether Wart. Donc ils sont allés à une autre, ils sont toujours dans le Nether. Il y a pas de Nether bloc en fait. Ouais, bon, on va les suivre. Ah si, j'ai un italien. Il est tout seul, je crois. Vas-y, recule. Vas-y. Tu l'as? Ouais, il est avec moi, Vas-y, on est deux dessus. Vas-y, j'ai back. Vas-y, je te suis. Oh, ils sont. Oh, putain, les boulets. Ah, c'est vrai que t'as. Attendez, on arrive, hein. Vas-y. Ah, ils sont tous derrière. Ah non, c'est Sif, ok, c'est bon. Il est mort. Ok, bien joué. Avec le staff entier. Attention, il y a un. Ouais, il avait du P1, ouais, on garde. Sharpness 2. Donc il est tout seul, donc ça veut dire que la forteresse est à nous, sauf qu'il y a rien dedans. T'as des blazes ou pas, Magic? J'ai 10 blaze rods là. Bon, allez, tiens, on a un petit. On peut descendre en bas ou pas? Petit jeu pour Miro. Vas-y, allez. Je sais pas, je le sens pas là. Miro. Je vais faire un petit plongeon. Ouais. Faut que tu sautes dans ce bateau. Je te le dis maintenant, mais t'as intérêt à appuyer sur ta touche de sneak au bon moment. Vas-y, Magic, fais-moi la démo, s'il te plaît. Il va. Les dégâts de chute, ils sont pris à partir de. Oh non, t'étais sûr qu'il allait faire ça. Je sais pas pourquoi vous avez douté. Attends, mais du coup, t'es pas mort des dégâts de chute. T'es un bâtard, si pourquoi tu vas me pousser. Sors, Miro. Voilà. Ok. Mais tu sors bien avant. Il est en train de faire un truc sous mes pieds, je le sens. Non, vas-y, tu peux sauter, t'inquiète. Mais t'as raté. Je suis fini en cœur. Ah, j'ai une autre forteresse. Excusez-moi, je joue au jeu. T'as raison, parce que peut-être que dans 19 minutes ils vont nous assaut. Donc peut-être qu'il faudra qu'on ait fait la salle des coffres avant quand même. C'est vrai qu'on est grave dans la merde, hein, les mecs. En vrai, il y a des chances, oui. Oui, ok, c'est là-bas. Ok, on fait ça vite. On prend 2 blaze roads. On récupère les blaze roads. J'en ai masse. Eh ben, prends les blaze roads et on se tire, c'est bon. Mais en fait, je sais même pas pourquoi on tue. En fait, pas pourquoi on vient. Bah au final, on a besoin juste de blaze roads. Mais non, t'as vu des blocs? Moi, je pense qu'il était tout seul, honnêtement. Moi, je pense que c'est ça. Moi, je vais rentrer, je pense. Je vais commencer à casser les coffres et tout, parce que sinon, on va être dans la merde. À mon avis. En vrai, ils sont pas allés à 4 dans le Nether.
Non, ils sont allés tout seuls. Par contre, on risque de leur tomber dessus au retour. Moi, j'y vais direct parce que sinon, je le sens pas là. En vrai, il reste 15 minutes et il faut creuser, faut mettre les coffres, faut monter tout en haut. Ils vont assaut dans 15 minutes, pas sûr. Peut-être qu'ils ont demandé aussi pour être près de leur côté. Moi, je pense que vu comme ils sont chauds, ils arrivent à épisode 6 d'un coup. En fait, je pense que leur strat, c'est de nous prendre d'assaut rapidement. S'ils nous attendent de l'autre côté, on l'a dans le cul. Ouais, je sais. Ouais, par contre, moi, je suis tout seul. Parce qu'ils peuvent camper. Ils sont vraiment là. C'est chez nous là. C'est ici. T'es où, Gil? Non, mais attends, il y a quelqu'un qui a passé le portail. Genre, au moment où je suis parti du Nether, il y avait un mec. Faut faire les coffres en vrai, parce que là, sinon, c'est la sauce là. Juste Magic, quand t'arrives au portail, je viendrai te chercher s'il faut. Parce que sinon, ouais, c'est la sauce là. Je crois que j'ai trouvé une autre forteresse. Oh là, comment on fait des dispensers déjà? Ah, c'est pour toi, c'est un miroir. Comment on fait des droppers? Ouais, miroir, les dispensers. Un dropper, bah juste redstone et cobblestone. Tu peux nous en faire plein? Parce qu'on va aller en foutre là-haut. Hein. Juste en attendant, je mets ça, on les enlèvera. Ils servent à quoi les droppers du coup? En gros, tu peux mettre du stuff en plus dedans. On va les mettre en haut là où il y a le lit, parce qu'on n'a pas le droit de poser des coffres. Par contre, les droppers, on pourra mettre du stuff dedans en rab. Donc en gros, on pourra préparer du stuff si on vient à mourir. S'ils sont de notre base, on se stuff, on leur saute dessus en boucle avec des épées en bois à la con. Là, il y a 8 droppers du coup dans le coffre. C'est quoi la couche en haut là? Vous trouvez à quelle couche, s'il vous plaît? On y est couche 77. Donc c'est maximum 57 la salle des coffres. Ouais, c'est bien haut. Putain, ça y est, il est dedans là. Moi, je troll par contre quand il faut jouer sérieux. Ouais, ça je sais. Tu vois, y a pas de souci. Je vais creuser des petites parties de base qui n'ont aucun sens. Enfin, je creuse n'importe comment. Quelqu'un sait faire la technique des minecarts? Parce que du coup, je vais creuser la salle, mais faudra venir la mettre dedans. Hein. Ouais, vas-y. On va chauffer de la stone aussi. Mais je suis en train de récupérer plein de stone en creusant des labyrinthes n'importe comment. 57 la hauteur max. Ouais, on est bien là, ouais. Un bon endroit ici là, j'aime bien. Dropper, j'en fais combien environ? Petite dizaine. Ouais, douzaine. Okay. Ouais, bah je suis à 17 là. Ok, c'est parfait. Tu les mets en haut de l'échelle. Tu les poses sur les côtés et on va crafter plein de trucs. Alors, je vais faire semblant de creuser pour descendre dans une mine comme ça, ils sauront pas que c'est là. Voilà, là, je creuse n'importe comment. Oh merde, j'aurais peut-être pas dû. En vrai, là, ils vont croire que c'est juste une entrée de base, enfin une entrée de grotte quoi. Et j'essaie de retrouver le chemin, mais en gros, j'ai fait un escalier qui descend un peu n'importe comment. On croirait vraiment que c'est un truc. Là, voilà. Ok, attends. Là, je suis avec Miro. Attends, viens ici. Au pire, je vais au Nether et puis je te passe l'écho Magic. Et là, tu vois, regarde, là, il y a deux trucs. Là, bon, on voit ça, donc on s'en fout. Là, on croirait que ça sera en bas, mais en bas, il y a la grotte. Et là, on met ici. Et là, tu mets le. Tu vois, c'est parfait. On est pile à la bonne hauteur, pile 20 blocs en dessous. Donc c'est nickel. Et comme ça, je vais bouger les coffres, je vais tout mettre en haut et voilà, fin. Et je vais creuser des petits trucs n'importe comment, je vais faire cuire de la stone et tout, comme ça on est bien. On a trollé, mais pas que. On sait faire les choses bien aussi. Par contre, bon courage pour la retrouver après celle-là. Hein. Je vais vite amener des coffres, comme ça on les pose. Et Italien en spawn. T'as besoin que je vienne ? Ça va, il se casse, mais il a vu que je vais dans le Nether. Mais bon, au pire, je vais te chercher Magic. Et... Ouais, il était autour du portail. Et couche 77. Ah non, toi, j'ai eu peur. Ah ouais, non, attends, il me fight en fait. Je suis au spawn, il a posé une TNT. Viens vers nous. Attends, ils sont deux. Ouais, mais en fait, je suis dans le Nether. Ah. Ils m'ont fight dans le Nether en fait. Je suis vraiment à côté. Je suis à côté, ouais. Et t'es dans le Nether, on est d'accord. Je vais essayer de le sauver. Ah, je suis dans le Nether, ouais. Moi, je suis en train de miner pour trop gentil. J'ai 140 blocs. Ok, il y en a un qui attend à la sortie, là, d'Italien. Je vais essayer de le tuer très vite. Je suis juste derrière toi. Ok. Essayer de le tuer très vite. Je suis juste derrière toi. Ok. Ah, peut-être que moi, je vais pouvoir arriver là. J'ai trouvé un chemin. Il est à la sortie où? Je suis en train de le fight. Ils sont en train de monter peu à peu en fait. C'est bon, hop, c'est bon, je vais dans le Nether. Ils vont vers le portail. Ils sont un peu plus loin, vers les hauteurs. Ah oui, ok, on les voit. De l'autre côté. Ok, vu. Et en fait, ils sont deux. Et j'essaye de fuir en fait depuis tout à l'heure. Vu. Je suis juste en dessous d'eux. Ils nous empêchent de passer. Oh, il veut mettre des lits. Putain. Moi, je suis au portail. Hein. Attends, c'est Fortnite là. On est en haut de l'autre côté. Il veut poser un lit. Casse-toi. C'est des malades. Bon. Ouais, ils sont derrière moi. En bas. Vu. Et ils pourront pas passer le Nether là, c'est fini. Par contre, il va sûrement poser un lit, mais c'est pas grave. Wesh. Bon, ok. Il y en a un là-haut. Fais gaffe, Justin, on se booste pas n'importe comment. Dans 5 minutes, il y a les assauts, hein. Faut vraiment qu'on finisse en vitesse après. Ouais, mais là, ils ont perdu trop de stuff, hein, je pense. Sachant qu'on se fasse pas back. Ouais. Oh, c'était belle cette flèche là. J'ai essayé. Enflammé. Mais du coup, il fight. Il fight au lit du coup? Ouais, vraiment. Pas forcément, mais là. Regarde. C'est bon, il est mort. C'est bon. Allez, on va pas chercher son stuff? Non, je pense que ça sert à rien. Go vite finir la salle parce que là, il y a les gens. J'ai mis le truc, il y a plus qu'à descendre les coffres. Ok, nickel. Le mec, il est encore au portail, il est no stuff et je pense en fait. Il attend pour mettre un lit. C'est toi d'ailleurs? Ouais, vas-y, je suis là avec toi. Ok, nickel. C'est bon, parfois on le laisse tranquille. On le laisse et nous, on va finir notre truc très vite. Comme ça, on est tranquille. Ouais, ça va, j'ai réussi à tempo. Genre, je t'ai bien joué. Non, mais t'es monté, c'est parfait. Le temps qu'on arrive, ça a été. Non, t'as bien joué. Il faut qu'il y ait deux personnes qui montent le stuff. En vrai, on monte à 4 le stuff en haut, genre. On casse les coffres. Faire les potions, non? Attends, non, mais on monte le truc d'abord et on fait les potions juste après. Comme ça, moi, on est sûr parce que sinon c'est. Donc, vas-y, commence. Ouais, parce que. Allez, la salle des coffres, par contre. Fais-les là, les potes, c'est pas grave. Magic, on les mettra en haut, les potions ouais, après. Ouais, mais j'ai besoin de. Il me faut du sable et tout. Il me faut un chest, hein. Il me faut vraiment un chest pour. C'est plus simple de faire comme ça. Vous avez tous dormi là? Non, moi j'ai pas dormi. Juste, il y a encore un aller-retour à faire. Mettez à l'arrache, hein, c'est bon, on trie après. On mettra juste les coffres en bas, c'est juste histoire qu'on soit prêt en fait. Le fer et tout, tu mets là, toi. Ouais, tu mets tout. Oui, mets-toi en haut. On fera un truc spécial. Je vais. Hop là, ça va être un truc avec plein d'épées, machin. 31 TNT. Tu
mais plusieurs fois déjà. Bon, je pense qu'ils sont passés comme ça en fait. Ça va être compliqué. Ouais. Ils sont trop séparés en fait, c'est ça notre avantage, c'est que nous on était tout le temps collés. C'est bon, et hein, tout le reste on descend en bas. Bah, tu mets juste les coffres et c'est bon. Tac, je vais refaire des fours. Moi, je finis juste la petite base là et on est bien. Ok, ils sont revenus avec du full diams, hein, si jamais ils sont prêts à nous assaut là, ouais. Ah, ils vont assaut peut-être là dans une minute. Hein. Ouais, c'est pour ça justement, c'est que. Ah, ouais, alors attends, parce qu'il faut qu'on mette de la cobble et on... enfin de la stone et on en a pas là. Ouais, bah, ressortez dans 30 secondes et puis ça va être non, parfait. Non, mais au pire, on fait des potions de speed là pour commencer. Et voilà. Ouais, et c'est barré là. Par contre, il y a la blinde de creepers autour de la base. Hein. Ouais, ouais, ouais. Ouais, parce que s'ils viennent faire péter les creepers sur la base, ça casse bah, la oui, tête, c'est ça. Elle est clean celle-là de base. Ouais, ouais. Normalement j'en ai plus. Ah si, il me reste encore deux stacks des trucs. On va se faire plaisir. Donne, pire, donne, je dépose. Comme ça on arrange un peu la chose. Tu mets ça où? Tu mets au milieu là comme ça? Ah ils sont là, ils arrivent avec okay, une tête à la main. Il va falloir être prêt. Hein. Bah je vais revenir avec des potions du coup. Ouais, ouais ça sera déjà pas mal. Oh, ça ira hein, pour l'instant. Il est derrière un arbre. Je pense honnêtement qu'ils vont se préparer à saut parce que tu vois le fait qu'ils remettent dans le chat les règles, c'est que peut-être les Italiens leur ont demandé. Tu peux me surveiller, je monte, je vais chercher redstone et gunpowder et je vais amener à Magic comme ça on fait des potions de poison. Poison plus speed et là on les défend. On a un là. Ouais, je remonte vers la plage. Il essaie de me shooter mais au pire il me touche, hein, c'est pas grave. Ah, il essaie de te shooter, ah, il t'a shooté. J'ai rien perdu, juste cassé parce que je veux pas qu'il se serve de ce tour comme. Ouais, carrément. Et il pose cette TNT, il pose cette TNT à la base. Mettez de l'eau dessus, hein, ouais. Si jamais. Oh, j'ai pas eu le temps. À un pixel. Il est parti. Il s'est rebarré dans le. Fais gaffe, dans la forêt. Il est ouais, en face de toi. Ouais. Par contre, on a pas de bloc pour. Putain, aussi, genre ouais. Vraiment, j'ai un. Une fois après l'eau tombée dessus. Voilà, on pourra pas faire plus. Après, c'est pas grave parce que je crois que la salle des coffres est vraiment pas du tout de ce côté-là. Donc, non, elle est de l'autre côté. Donc au pire, s'il attaque par là. Ils attaquent bien, hein. Ils attaquent là. Ouais, ils attaquent. Ils attaquent. Ouais, je suis là. Ils posent les TNT de l'autre côté, si jamais. Ils posent les TNT là, voilà. J'arrive avec le shot. Ils ont mis de la TNT. N'hésitez pas à poser de l'eau, si jamais. Ah merde, c'est trop tard. N'hésite vraiment pas, Miro, à mettre de l'eau. Ouais, c'est que, genre, il y a une couche et demie de hauteur et j'ai pas pu passer par-dessus le mur en fait pour. Pourquoi là vraiment un plaisir ici. Eh putain, elle marche pas mon eau. Ouais, j'avoue. J'avoue. T'as vu ma... ouais, ouais. Du coup, Romain. Je suis en train de remonter, ouais. Ok. Toi, bah, t'es descendu là? Ouais, tu es descendu? Non, je suis tout seul. Venez. Je suis là. Non, t'inquiète, pas de soucis. Ça joue fou la full road. Ouais. Il est fou de faire le mec, hein. Bien joué. T'as des potions de speed aussi? Ah bah nickel, parfait. Ouais, t'as fait une dose par contre, j'avoue que. Là par contre, là j'avoue que là c'est ouvert en gros. Bah alors soit on peut les attaquer, soit on se fait friger à l'aide. En vrai, je pense qu'on les attaque. Ouais. Ah ils reviennent. Ils arrivent par derrière. Ah, y'en a un qui est. Fais gaffe, Guild, derrière toi. Ouais, je l'ai vu lui. Ils sont sur moi là. Vas-y, j'arrive. Vas-y, moi je rebouche là. Lol. Pas mal des gens. Oh. Là, j'ai balancé une potion de poison dans la gueule. Il y a une TNT qui a pété là. Go assaut en vrai. Ouais, là je pense qu'on peut assaut direct. Je pense qu'on assaut direct. Ouais, au pire on assaut direct. Ah, ils sont encore du stuff, je pense en haut. Hein. Bon. Là, ça m'a saoulé. Hein. Ils ont pas fait de lit. Non, j'ai jamais eu ça qu'ils viennent t'assaut avant même que ah, mais ils ont pas fait de lit. Ils ont pas fait de lit. Ils sont tous à la main. Ah, ils ont pas fait de lit. Aïe, l'erreur. Moi je veux chez eux directement. Hein. En vrai de vrai, il y a des chances qu'ils aient même pas de base ou quoi que ce soit. Donc. Ah, ils ont fait un truc en bois et tout. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais en fait, je pense qu'ils ont vraiment tout misé sur l'assaut. Ouais, je pense qu'ils ont tout misé sur l'assaut. Sauf que ils étaient pas. Mais là, viens, tu mets les 31 TNT tout autour et t'allumes. Bah, j'ai tout, j'en ai posé en haut, mais c'est bon, regarde. Ouais. Hop, voilà. Bah non mais... Ah bon d'accord. Une TNT. la base non è quella perché non è accessibile, no? No, l'ho finita. Coniglio di merda, non schiatta. Di qua... Oh ragazzi, sta correndo. Ma niente, magari teniamo prima noi la base. Sì, vabbè, teniamo prima noi. C'è un blocco glitchato qua, cos'è? Sì, elle est plus fortifiée che la dernière. Devi avoir la salle des coffres qui est quelque part, faut juste... Bah mec, y'a un trou, hein, y'a un chemin. Ouais, ils ont utilisé tous les lits en fait pour le nether. Ah non, c'est... Ouais, c'est leur accès sur leur accès grotte. C'est pas ça leur... Non, c'est pas ça. Attends, je crois que je l'ai, mec. Attends. Non, c'est bon, les mecs, je l'ai. Oui, c'est bon, je l'ai. Venez, descendez, y'a le. Ah, c'est super bien pensé. Bah il faut sortir pour rentrer. Ah ouais, ils avaient pas grand chose. En fait j'ai l'impression que niveau stuff on les a pas... Enfin ils ont pas... On les a bien drain en fait. Putain, tout le monde a eu la même idée. Ouais Yopi. Non mais on va vraiment crever. Arrêtez les mecs, faut attendre une minute. T'as combien de vie là? J'avais un demi-cœur là. Non. Oh merde, mange. C'est bon. J'ai un demi-cœur là. Non Gil, non. Bah dès qu'il va dire go c'est win. Prends win, let's go. Massoulé frère, tiens. Oui, c'est bon. Ah, quoi? Ils ont failli nous friger? Non. Attends, quoi? Ils ont failli trouver notre base à un bloc? What the fuck? Enfin, notre salle des coffres? C'est délire, mais on les a même pas vus. Les Italiens avaient trouvé votre base aussi, c'était du beau jeu. Quoi? Ce que dit l'Italien, est-ce qu'on organise un match retour? Ah ouais, s'ils veulent, ouais. S'ils veulent, why not, hein? Mec, effectivement, j'avoue que la salle est trouvable super facilement, il y avait la même carte qui sortait. On a failli se faire avoir, du coup, en vrai. Ah oui, complètement, en fait. Attends, ils veulent faire un 4v4 PVP pur et dur. À se faire soulever. Là, ouais, là, par contre, là, ouais. Je prends un tour. Drain à l'arc. Vas-y, Gil, j'arrive. On peut péter des trucs un peu ou pas? Non, bah non. Et vous êtes où? Je suis en haut sur la tour, mec, je me fais une barricade. C'est vraiment un plaisir, hein, ce qui est en train de se passer, là.
Ah le practice, ah, ouais. Je suis rincé. Ouais, mais je suis en vie. Bah oui, c'est bien le problème, c'est que t'étais sur la tour et nous on était trois, oui. C'est le problème. C'est le problème, oui, bravo. En vrai, ils font plus du PVP qu'autre chose, c'est ça le truc. C'est pas grave, on les réinvitera en FK. C'est ça, ouais, maintenant, vu qu'ils ont gagné là, on est obligé de les réinviter sur FK. Et c'est ainsi que s'achève cet affrontement France-Italie. Une nouvelle victoire de la France, décidément invaincue sur Minecraft. Mais ça s'est pas joué à grand chose pour le coup. Les Italiens avaient trouvé la salle, ce n'était qu'une question de temps. En tout cas, si vous voulez voir l'affrontement contre l'Allemagne, je vous invite à exploser le bouton s'abonner. Peut-être que je forcerai un petit peu pour que ça se fasse plus vite, c'est vrai. N'oubliez pas aussi de liker la vidéo si elle vous a plu. Et on se dit à très vite, YouTube. Salut.